Vous êtes avec une abonnée. Mais madame, raccrochez-vous-même. Allô, mademoiselle. Mais non, ce n'est pas le docteur Schmidt. 08, pas 07. Allô, c'est ridicule. Pas du tout.
je dis, tu l'entendrais. Je n'ai pas la voix d'une personne qui cache quelque chose. J'ai voulu être folle et avoir un bonheur fou. Chérie, écoute. Allô, chérie, laisse-moi. Allô. Laisse-moi parler. Ne t'accuse pas. Tout est ma faute. Si, si. Je ne savais pas que c'était si rapide. Alors, attends. C'est très simple. Demain matin, le sac sera chez le concierge. Joseph n'aura qu'à passer le prendre. Chacun
tu dessines sur le buvard les profils des cadres des étoiles. Que tu es maladroit et que tu m'aimes. Si tu ne m'aimais pas, si tu étais adroit, le téléphone deviendrait une arme effrayante, une arme qui ne laisse pas de traces, qui ne fait pas de bruit. Moi, méchante! Excusez-moi, Joseph. Merci.
jamais menti. Oui, je sais, je te crois, j'en suis convaincue. Non, ce n'est pas ça. Je n'ai rien mangé, je ne pouvais pas, j'étais très malade. Hier soir, j'ai voulu prendre un comprimé pour dormir. Je me suis dit que si je prenais plus, je dormirais mieux, et que si je les prenais tous,
je vis de toi, que tu es mon seul air respirable, que je passe mon temps à t'attendre, à te croire mort si tu es en retard, à mourir de te croire mort, à revivre quand tu entres. J'ai dormi, parce que c'était la première fois. Le premier soir, mon temps, ce qu'on ne supporte pas, c'est la seconde nuit, hier, et la troisième, demain, et des jours, pour faire quoi, mon Dieu ? Et en admettant que je dors, je connais ta voix.
si tu me mentais pour rendre la séparation moins pénible. Je ne dis pas que tu mentes, je dis si tu mentais et que je le sache. Si par exemple tu n'étais pas chez toi et que tu me dises non, non, mon chéri, écoute, je te crois. Thank you.
Oh, chérie,